Salut YouTube, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une collaboration avec une maison qui s'appelle Bon Parfumeur et je vais vous présenter justement les fragrances qui sont mises en avant aujourd'hui. C'est celles que j'ai sélectionnées. N'oubliez pas, dans un premier temps déjà, de vous abonner, c'est très important. Et ce projet qui nous tient à cœur, je vais le répéter souvent, mais pour moi j'ai vraiment envie de mettre en avant le podcast. Donc je vous mets le lien Utip dans la barre d'infos. Et tout de suite, on passe à la collection Bon Parfumeur. Alors, Bon Parfumeur, c'est quoi? C'est une maison de parfums avec des formules simples qui est accompagnée de nez d'exception, des parfumeurs d'exception, pardon, et notamment Sidonie dans ses sœurs. Sidonie qui a fait beaucoup de Kilian, notamment celui-ci. Voilà, mon préféré, le Black Phantom. Elle est réalisée Black Phantom. Et vous avez aussi Benoît Lapuzza qui a fait le dernier Angel Share juste là. Le fameux Angel Share de Kilian. Ça, c'est complètement dingue. Et voilà, c'est ce qui m'a attiré justement dans cette collaboration. C'est que mon parfumeur propose non seulement la possibilité de se parfumer avec des formules courtes et du layering. On va y revenir. Donc, vous savez que j'avais fait une vidéo où j'exprimais le fait d'être défavorable au layering, mais là ce qui est intéressant dans cette maison, c'est que vous allez pouvoir vous exprimer dans le layering avec des formules courtes, puisque la maison a été créée autour de ce concept là. Donc on a plusieurs parfums aujourd'hui, dont celui-ci, le 001, qui a attiré toute mon attention. J'ai eu une affection particulière pour les colognes depuis peu. Donc les colognes, ce qui est intéressant, c'est que c'est une famille olfactive un petit peu particulière. Moi, j'appelle ça comme les parfums de Daron, les parfums de Jean Reno. Donc c'est une formule qui est composée de fleurs d'oranger, de petits grains et de bergamote. Voilà, ça c'est un parfum qui... Oh man. Non. Je sais que les aficionados du milieu comprennent mon expression. Il est magnifique ce parfum-là. J'ai envie de faire une minute de silence sur la composition. Fleur d'oranger, petit grain, bergamote. Donc c'est clairement un parfum de peau, hein. Je l'ai essayé, c'est une utilisation que j'ai appréciée après la douche le soir, parce que c'est un parfum qui fait très propre. Mais ce qui est intéressant dans cet univers olfactif, c'est que vous allez pouvoir vous initier dans quelque chose, dans une famille olfactive totalement différente. Et voilà, si vous voulez un petit peu essayer ce qu'on appelle un fougère, je vous invite le fougère c'est les lavandes, mais si vous voulez essayer ce genre de parfum, parfum de daron, ça c'est vraiment très très beau. Si vous aimez Acqua di Parma Colonia, là vous avez un parfum 30 ml. Moi je les ai pris en 30 ml, pourquoi? Parce que il y a la possibilité de les mélanger et on s'engage pas trop, parce qu'ils sont tous proposés à 40 €. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je vais vous proposer un petit code promo Olivier Parfumerie 10 et vous aurez 10% sur l'ensemble de la gamme, et notamment celui-ci, donc le 001, qui est un très beau parfum. Je vous invite à vous orienter vers cet univers olfactif qui est très plaisant. Fleur d'oranger, petit grain, bergamote, le 001. Moi, il me fait kiffer celui-ci. C'est un très très beau parfum et je vous invite à essayer cet univers. Il y a le 302. Donc, alors, on est carrément dedans, puisque période de confinement, Netflix and chill, il fait nuit plutôt vers 17 h 30, donc on a plutôt tendance à rester chez soi. De toute façon, on est confiné, mais c'est très adapté pour ce genre de situation. Regardez, ambre, iris et santal. Donc, un parfum, l'ambre, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ah, mais j'aime beaucoup l'ambre, surtout en ce moment. Donc, j'ai fait un unboxing sur celui-ci. Et c'est un très beau parfum à l'ambre, ambre, iris et santal. Donc moi j'aime bien l'ambre, j'aime le côté aussi onctueux du santal, hein. Et là on a un très très beau parfum à l'ambre. Si vous voulez découvrir qu'est-ce que l'ambre, je vous invite à vous orienter vers le 302, qui est très intéressant, notamment le soir, avant d'aller se coucher. Moi j'aime vraiment mettre des parfums que, comme je dis, on se retrouve un petit peu avec soi-même et on porte ça. Et voilà, avec cette période de confinement, c'est très adapté, parce qu'on reste à la maison toute la journée, on peut mettre ça même pour le travail. Et si vous voulez découvrir qu'est-ce que l'ambre, je vous invite à essayer le fameux 302,
de chez Bon Parfumeur qui est très intéressant. Donc tout cela, ils sont proposés à hauteur de 40 €. Ce qui est intéressant dans cette maison aussi, c'est qu'ils proposent les kits découvertes. Donc vous avez les kits découvertes, vous vous engagez pas trop. Vous avez les kits découvertes qui sont proposés à hauteur de 45 €. Je dois en avoir un là, juste ici. Donc c'est des petits kits qui sont comme ça. Et voilà, c'est des petits kits de 2 ml. Et vous avez le kit découverte, des mini shots. Et dans la description de ça, voilà, vous avez beaucoup de références qui sont proposées dans ce kit découverte de 2,5 ml. Voilà, c'est l'information que je cherchais. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter, de vous procurer le calendrier de l'Avent, puisqu'on arrive bientôt à Noël. Il y a le calendrier de l'Avent ainsi que d'autres produits, le coffret cadeau 10 mini shots à 28 €. Et je vous invite à vous orienter vers ça. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait, c'est ma politique, de vous orienter vers... vous engagez pas trop, vous essayez les petits kits d'échantillons et après basculer sur quelque chose de plus conséquent. Mais je trouve que pour 40 €, les 30 ml, c'est vraiment très abordable, notamment avec ce code promo que je vous propose aujourd'hui. On poursuit avec un parfum très intéressant. Vous connaissez mon amour pour la prune. Je suis un fan de Floriental. Hein. Ici, voilà, parfum à la prune, très très beau parfum. Aujourd'hui, on a 401. Donc le 401 qui est intéressant, on a cèdre, prune, confite et vanille. Donc la prune, c'est une note un petit peu indomptable, mais voilà, qui donne un côté lounge. Moi, j'aime beaucoup. Ah, prune, vanille. Voilà, ce côté prune, il a un peu un côté, pas vraiment gâteau, mais moi, il me fait penser à ces gâteaux que je mangeais quand j'étais petit. Mais la prune, c'est très séducteur et ça donne vraiment... du caractère, avec ça rehausse en fait votre personnalité, et je trouve qu'il est très intéressant celui-ci, le fameux 401, bonne tenue, bon sillage. Et les parfums à la prune, c'est plutôt rare dans le milieu, et l'originalité, c'est ce qui fait justement mes sélections, c'est vers quoi je m'oriente pour pouvoir me différencier un maximum des autres. Et le 401 cèdre, prune, confite et vanille, c'est vraiment très très original. Je répète, vous pouvez faire ce qu'ils appellent du mix and match, c'est-à-dire voilà, mélanger les parfums, parce que ce sont des formules courtes et c'est la politique aussi de Bon Parfumeur. Vous avez la possibilité de le faire. Après, moi personnellement, quand je porte de la prune, je m'identifie plutôt à l'image de ce qu'il en ressort. Donc je vais rester que sur une seule composition, un seul parfum, sans forcément opter pour le layering. Mais là, on a la possibilité de le faire. Et Bon Parfumeur a eu l'intelligence de proposer cette directive, et je trouve cela très intéressant. Je vous ai proposé un parfum qui fait très sympa, un peu masculin de 30 ans. Vous avez celui-ci à l'ambre qui est aussi très sympa. Vous avez le 401 à la prune. Et on a celui-ci qui est très original. Donc la collection un peu spéciale, c'est piment, baie rose et benjoin. Donc une composition qui peut me rappeler un petit peu Spice Bomb. Vous savez, ces parfums caractériels. Et là, j'aime bien. C'est pas du tout comme Spice Bomb, mais voilà, le piment et la baie rose sont présentes. Mais il est pas trop, il ressort pas forcément épicé. Mais c'est un parfum très original. Je sens qu'il est en train d'évoluer. Et vraiment, ouais, ça c'est un parfum que je vais. J'aime bien mettre ce genre de parfum parce que il vous offre une personnalité et de l'assurance. Si vous cherchez un parfum qui va vous offrir une assurance. Si vous avez justement entre 20 et 25 ans, je pense que ça peut vraiment vous correspondre. Je sais que vous êtes beaucoup à me regarder dans cette tranche d'âge aussi, messieurs. Et je vous invite à essayer celui-ci, le fameux 303 de chez Bon Parfumeur, qui va vous permettre de vous affirmer et de rentrer un petit peu dans le monde des adultes avec ce côté caractériel affirmatif. Le 303 vous permettra une belle perspective d'évolution et de caractère. Surtout si vous rentrez dans le monde du travail, je pense qu'il est très adapté pour ça, le 303. C'est un caractériel en douceur, et j'ai apprécié aussi le porter en journée lors du télétravail, parce qu'on est, comme vous le savez, je travaille de chez moi un peu comme vous. Et celui-ci est très intéressant, le fameux 303 de Bon Parfumeur. Voilà, vous voyez, c'est des parfums qu'on peut mélanger, mais moi je... Voilà, ça c'est pour moi, il est unique et je veux le garder tel qu'il est, je le trouve très intéressant. J'ai fait mon choix avec Bon Parfumeur parce que
Quand j'ai été dans la boutique, il y en avait des plus sympas, il y en avait qui étaient très vanillés, qui faisaient très gâteau, mais j'essaie de penser un petit peu à tout le monde. Et je pense que c'est ce qui est le plus adapté avec la saison et avec ce qu'on traverse en ce moment. Là, on peut jouer sur différents tableaux et ceux-là sont très intéressants. Vous étiez aussi nombreux à me demander. En ce moment, vous me demandez beaucoup des parfums boisés. Donc, je vous ai écouté parce que c'est vrai que j'ai un peu détaché le boisé pour aller sur de l'oriental parce que j'aime énormément cet univers. Et là, on avait celui-ci qui est très intéressant, le 602. Donc, le 602, c'est une formule poivre, cèdre, patchouli. Et j'aime beaucoup celui-ci parce que on est vraiment sur un beau boisé qui nous offre des perspectives. Ah, là, c'est Fontainebleau. Là, c'est la balade en forêt, j'aime beaucoup. Vous savez, je vous avais présenté aussi... où est-ce qu'il est ? Celui-là. Le Bulgari Man ou Neroli. Je ne sais pas si vous vous rappelez de celui-ci qui était aussi intéressant parce qu'on avait des notes aux trois bois. Ça, c'est vraiment un pur boisé que je vous invite à essayer si vous ne connaissez pas l'univers du boisé. Là, on a le boisé par excellence. Et là, celui-ci, le fameux 602, qui est un très, très beau boisé. Qui me fait penser au premier parfum que je portais parce que j'aimais vraiment cette famille olfactive au départ. Il est très très beau, voilà. Il me fait penser aussi à un parfum de chez Hermès, je crois. Mais c'est un très très beau parfum, boisé par excellence. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont envie de se redécouvrir au boisé ou s'affirmer dans les parfums boisés, je vous invite à essayer celui-ci, le 602, qui est vraiment très intéressant. Ça, c'était ma sélection de la collection de chez Bon Parfumeur. Vous verrez, ils ont plein de références. Les formules sont courtes et elles sont directement inscrites sur les flacons. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous pourrez directement faire votre choix à travers les notes qui sont précisées sur les étiquettes. Et comme ça, ça vous permettra de justement vous repérer à travers vos décisions. Et c'est très intéressant pour les personnes qui souhaitent découvrir la parfumerie. Et Bon Parfumeur a compris vraiment le grand public à travers une collection qui va ravir, je pense, tous ceux qui ont envie de se parfumer en écrivant leur propre histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas Olivier Parfumerie 10 pour pouvoir bénéficier des 10% sur le site. Je vais vous mettre le lien directement en dessous. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas la classe avec 001. La classe à la Jean Reno, messieurs. Jean Reno. C'est vous qui l'apportez. Allez, salut les Florence Lovers.